faut mettre des KO, moi je suis toujours, toujours dispo. On a regardé un petit peu les buzz qu'il y avait en ce moment. Il y a eu une polémique par rapport aux combattants trans, tu sais, des hommes devenus femmes, Midi notamment. Boy, là, ouais. Alana McLaughlin, je crois qu'on dit comme ça, qui a écrasé son adversaire Céline Provost en 3 minutes. Je sais pas si t'as vu. Est-ce que tu regardes les matchs un peu de femmes aussi, en boxe, en MMA, ou pas du tout, pas ou du de tout. Trans, etc. Si je regarde pas les combattants hommes, frère, c'est pas les combattants trans que je vais regarder. Non, je regarde pas. Non, parce que c'est vrai que dans plein de sports, il y a ça, et ça crée les débats en ce moment sur Internet, parce que est-ce qu'il a quand même la carrure, ou elle a la carrure d'un homme, parce que c'était un homme avant, et du coup, c'est très déséquilibré par rapport à des combattantes femmes, tu vois, qui arrivent, quoi. C'est assez intéressant, je me suis dit que je te le demanderais pour avoir ton avis, tu vois. Là-dessus. Mais si tu regardes pas, ça sert à rien. Non, je regarde pas. Après, c'est pas tout le monde qui se prétend médecin qui est médecin. C'est pas tout le monde qui se prétend astronaute qui est astronaute. C'est pas tout le monde qui se prétend champion du monde qui est champion du monde. Et c'est pas tout le monde qui se prétend homme qui est homme, comme c'est pas tout le monde qui se prétend femme qui est femme. Maintenant, on peut respecter. D'ailleurs, si aujourd'hui tu me dis je suis une femme, je dis très bien. Si tu te sens femme, je vais pas te dire non, t'as le droit de te sentir femme. Voilà. Si tu me dis je suis une femme, vraiment, je dirais bon, je ne pense pas. Tu vois, parce que ce qui définit un homme et une femme, c'est dans des chromosomes, etc. Voilà. Je ne pense pas. Maintenant, si tu te sens femme, je respecte ça. Et non, les combats de transgenre ou transsexuel, j'ai pas. Non, t'as jamais vu. Non, j'ai jamais vu. Mais ça me dérangerait pas de combattre un transgenre, même de trash talker. Non, mais en plus j'ai beaucoup de choses à dire. Il y aurait de la matière à trash talker. Non, mais ça me dérangerait pas de combattre. Okay. Pourquoi pas, s'il faut mettre des KO, moi je suis toujours toujours dispo. Tu m'appelles quand tu veux. Il est fou. Non, mais c'est en tout cas, par contre, moins drôle et tout, t'es engagé contre la violence envers les femmes, ça c'est un vrai truc pour toi et tout, t'as tourné dans un spot vidéo et c'est du fait que t'as été élevé par des femmes aussi, tu disais, avec ta grand-mère, ta maman, etc. Ça vient de là? Ben, je pense, hein, j'ai réfléchi après, je me suis dit, pourquoi ça me touche autant, tu vois, mais vraiment autant. Et je me suis dit, c'est peut-être dû à ça, hein. C'est peut-être parce que j'ai été entouré de femmes dans ma jeunesse et du coup, j'ai ce, tu vois. Ne serait-ce qu'une scène, tu vois, ça m'arrive de regarder un film et il y a une scène où le mec il va frapper sa femme, il met une gifle. Oh, je peux pas regarder ça, tu vois. Je sais que c'est joué et tout, j'arrive pas, tu vois. Ouais, ça te met mal à l'aise. Ouais, ça me met vraiment mal à l'aise. Et du coup, c'est une cause qui me touchait, comme la cause des enfants aussi. Et je me suis dit, il faut vraiment que. Toi, j'ai ce pouvoir médiatique, j'ai cette notoriété, il faut qu'elle serve aussi dans ce sens-là. Et hier encore, j'en parlais à mon manager, je lui ai dit, il faut qu'on relance, tu vois, parce que le principe de s'engager 3 semaines... Oui, voilà, quand il y a une caméra. Voilà, non, et du coup, hier, on en parlait, il faut qu'on relance quelque chose. Un autre spot ou des actions avec la Maison des Femmes à Saint-Denis ou même partout en France. Et quand tu dis s'engager pour les enfants, c'est-à-dire quoi? Pour les assos qui prennent soin des... C'est ça, des enfants, soit des orphelins, soit des enfants... malade, tu vois, des enfants dans le besoin. C'est parce que la cause des enfants aussi, elle me touche, tu vois. Et ben, fais Fort Boyard pour une asso pour les enfants malades, c'est ce que j'ai fait. Exactement. Tu rapportes un peu d'argent à chaque fois, tu vois. Non, mais c'est vrai. On aide un peu avec l'image, ce qu'on peut, tu vois. C'est ça.